va aller dormir un petit peu. Et on ira les voir demain matin. Oh putain, cette lumière. Oh, cette lumière. Oula. Ouais, c'est bon. Ici. Ouais, c'est juste un stand à potions. Hop. Voilà. On va aller dormir un petit peu pendant 10 heures. Et voilà. Bon. Et ben bien. Allez hop, c'est parti. Salut l'ami. Comment allez-vous ? Oh mais papa, ça a fermé ce chien un peu. Pas vrai. Bon alors là, les lags, ça va pas le faire. Comme s'il n'y avait pas assez d'étrangers à bord de ciel. Voilà que les mercenaires de l'enclume se pavanent dans nos rues. Waouh, les lags. Waouh. Et c'est vraiment câble en chrift que ça me fait ça. Punaise. Eh ben, bon, ça a l'air de s'être un peu calmé. Allez, on va voir les compagnons. Hop. Ah, Yorvask. Ah voilà. Ok, alors là ici aussi ça lag mais à mort. Soyez mobile, il va se fatiguer. Il se passe quoi là? Ok. Ok. Ouais. Alors. Bonjour madame. Il est joli ce marteau. Ah ouais, donc ça évidemment je peux pas récupérer. On va dans les quartiers. Il faudrait que je regarde un peu au niveau de mes compétences ce que j'avais. Peut-être au niveau de la forge, tout ça à voir. Alors. Ah, c'est bon, Lydia m'a suivi. Ah, et ça a chargé, donc tout le monde est arrivé. C'est bon. Compétences donc, comme je disais. Atout augmenté 1. Forgeage, est-ce que je peux. Ah mais je pourrais la faire la forgée de fic. Je peux la faire la forgée de fic. Mais j'avais, il me semble, prévu de partir uniquement sur la droite pour l'instant. Ouais, pour surtout pour niveau armure lourde, étant donné que moi je vais pas mal me spécialiser en armure lourde. Armure de fer, ce sera après. Armure supérieure. Ah oui, des armures de plate. Ah, c'est vrai que les armures de plate, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien. Ah, mais il me faudrait 50 en forgeage et j'ai que 31 pour l'instant. Bon, à voir. C'est plutôt à l'un des compagnons que vous devez vous adresser. Oui, non, ça je m'en doutais. Non, c'est pas ici. Ici, c'est juste les quartiers. Alors. Oula, hop. Donc, comme nous tous, c'est notre fardeau, mais nous pouvons nous en défaire. Vous nous tenez, mon frère et moi, c'est évident, mais je doute que le reste se passe aussi bien. Laissez-moi faire. Quoi? Mais
rien. Quelqu'un entre dans notre hall. Bonjour. Bonjour, j'aimerais rejoindre les compagnons. Vraiment? Attendez, laissez-moi vous regarder. Ouais. Oui, pourquoi pas. Je sens chez vous une certaine force d'esprit. Oh, bah je vous remercie. Maître, vous n'avez pas vraiment l'intention de l'accepter. Je ne suis le maître de personne, Vilkas. Et aux dernières nouvelles, Yorvaskr accueille toujours ceux dont le cœur brûle d'un feu dévorant. Mes excuses. Mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Oh, pour l'instant. De grands guerriers viennent parfois nous voir. Mais des hommes et des femmes en quête de leur propre grandeur viennent aussi. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Mmh. Ce qui importe, c'est leur cœur. D'accord. Et leurs bras. Oui, évidemment. Bien sûr. Comment vous défendez-vous, mon garçon? Je sais me défendre. Très bien. Voici Vilkas. Il va tester vos aptitudes au combat. D'accord. Vilkas, conduisez-le dans la cour pour voir ce qu'il sait faire. Ouais. Bon, d'accord. Bon bah, c'est parti, hein. Vas-y, je te suis. Hein. Voilà, ça lagouille un peu. Voilà. C'est la classe crâne de dragon quand même. T'as vous avez vu, ça fait une bestiole bizarre avec un œil machin, c'est. Enfin. Bref. Alors, ça lag un peu là. Tu vas attendre avant que je te rejoigne, monsieur. Hein. Ok, c'est bon. C'est la première fois. Quoi? Je me trompe? On se connaît? Pardonnez-moi si j'ai oublié. Ah, non, y a aucun souci. Non, mais on se connaît pas encore, mais cela ne saurait tarder. Bonjour. Le vieux Kodlak m'a demandé de vous jauger. Alors, allons-y. Envoyez-moi quelques coups que je vois votre posture. Ne vous en faites pas, je peux encaisser. Vous êtes sûr? Vous n'auriez jamais dû venir ici. Bon, c'est rapide à moi. Un bon bras. Pas trop mal. Ce sera plus difficile la prochaine fois. C'est tout. Vous ne vous en sortez pas trop mal. Mais pour l'instant, vous êtes moins que rien pour nous, novices. Alors faites ce qu'on vous dit. Voici mon épée. Apportez-la à Eorlund pour qu'il l'aiguise. Faites attention, elle vaut plus cher que votre vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Dès le départ, je t'aime pas, toi, hein. J'espère que tu le sais. Bon. J'aime pas trop qu'on parle comme une merde, comme ça. Bon. Alors, quand mon jeu aura bien décidé d'arrêter de laguer, on pourra enfin apporter l'épée à Eorlund, qui est juste ici, je crois. Sauf que ça serait pas mal de mettre les quêtes aussi. Donc, immunité diplomatique, on la désactive. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vilkas m'envoie avec cette épée. C'est vous qui venez d'arriver alors? C'est ça. Est-ce que Vilkas confie toujours des courses aux nouveaux venus? Oh, ne vous mettez pas martel en tête. Ils ont tous commencé au bas de l'échelle. Cependant, ils n'aiment pas trop en parler. Mmh. Et n'obéissez pas aveuglément à tout ce qu'on vous dit. Personne ne dirige les compagnons. D'accord. Mais... Enfin, il faut bien que quelqu'un dirige. Eh bien, j'ignore comment ils se sont débrouillés, mais ils ont réussi. Il n'y a eu aucun chef depuis Isgramor. Oh. Kodlak est le héros, une sorte de conseiller pour le groupe tout entier.
Mais chaque homme est son propre conseiller. Il en va de même pour les femmes. D'accord. Vous êtes un compagnon ? Je ne suis pas un compagnon moi-même. Mais aucun d'entre eux ne sait faire tourner une forge correctement. Alors j'ai l'honneur de les servir. D'accord, je vois. Je m'appelle Eorlund de Gristoison. Je travaille à la Forge Ciel. On produit le meilleur acier de tout bord de ciel. De tout Tamriel. Eh ben, enchanté. Bon ben, maintenant, il faut que j'y aille. J'ai un service à vous demander. Oui ? Je vous écoute. Je travaille sur un bouclier pour Aella. Ma femme est en deuil et je dois retourner auprès d'elle rapidement. Je vous en serai reconnaissant si vous pouvez porter ceci à Aella de ma part. Oui, enfin, c'est pas vous qui venez de dire qu'il ne faut pas être servile ? Ce n'est pas un ordre, c'est seulement une question de décence. Venez en aide à un vieux forgeron. Je dois retourner à mon travail. Très bien. Bon. Ouais. Ramener le bouclier. Quand ça arrêtera de laguer, bon sang. Il faudra vraiment que je règle ça. Allez, je vois un petit peu. Alors. Ouah, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ah. Voilà, c'est bon. Oh, je ne suis que... Allez, on va lui apporter le bouclier. Ah, et là. Je suis sûr que ça va être un vieux barbu, j'imagine. Quoique, vu non, ça a l'air plutôt un prénom féminin. Ouah, bref. Un féminin, une guerrière, tout ça, ça doit. Bon, on verra. Je suis sur vos talons. C'est par aussi ici, non? Non, là. Tous ces petits qui gambadent. Oui, j'ai votre bouclier. Non, attends, bord de face. Bonsoir. Ouais, cette populace, ouais. Bref, donc. J'ai votre bouclier. Ah, excellent. Je l'attendais. Attendez, je me souviens de vous. Donc le vieil homme pense que vous avez du cœur, j'imagine. Faut croire. C'est la recrue dont parlait Vilkas. Ah oui. On dit que vous lui avez donné une sacrée correction. Je suis donné un coup de bouclier. Vous sentez-vous de taille à affronter Vilkas en combat? L'avantardise, c'est pas mon genre. Ah, un homme d'action, je vois. Venez, Farkas va vous montrer où vous pourrez vous reposer. Ah, Farkas. Très bien. Vous m'avez appelé? Évidemment, cervelle gelée. Ça parle mal. Les autres novices se reposent. Une recrue? Ah, je me souviens de vous. Allez, suivez-moi. Oh, bah, très bien. Je suis sur vos talons. Je ne peux pas vous assister continuellement. Skior et Aella aiment bien me taquiner, mais ce sont des gens bien. Ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Hop. C'est agréable de voir une nouvelle tête. Parfois, on s'ennuie ici. Je peux comprendre. J'espère qu'on vous gardera. C'est une vie qui peut être éprouvante. Oh, mais je compte rester. Les quartiers sont là-haut. Choisissez un lit, vous pourrez vous affaler dessus quand le sommeil vous gagnera. Tilma assurera le ménage. Elle l'a toujours fait. Très bien. Très bien, vous voilà. On dirait que les autres sont impatients de vous rencontrer. Venez me trouver ou allez voir Aella si vous cherchez du travail. Ah bah, une fois que vous savez un nom, Skior et Vilka auront peut-être des tâches à vous confier. Bonne chance et bienvenue chez les compagnons. Merci bien. Au fait, si vous ne savez pas quoi faire, oui. Il y a de l'agitation ici, dans la châtellerie de Blancherive. Rien que nous ne puissions régler. Je dois m'attendre à quel genre d'ennui? C'est un problème avec les parjures. Imprévisible, méconnaissable et dangereux. Faites attention à vous. D'accord, très bien. Je m'en occupe. Je savais que je pouvais compter sur vous. Faites le nécessaire. Si vous ne savez pas quoi faire... Oui, je sais. Bon,
Et ben voilà, on fait partie de la guilde des compagnons, ça, il reste plus qu'à faire l'émission, tout ça. La dernière recrue en date, c'est ça? Attendez, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais waouh, t'as les yeux explosés, toi. Je n'aurais jamais cru qu'on me laisserait un jour entrer chez les compagnons. Mais cela dit, c'est à la portée de n'importe qui. À la portée de n'importe qui, je suis censé le prendre comment, hein? L'hydromellerie tout à l'heure pour voir ce qu'il concocte. On sent l'odeur du miel. Ah, donc c'est bien ce que je pensais, t'es un alcoolique en fait, d'accord. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Skior vous a permis de vous joindre à nous. Peut-être parce que je suis plus talentueux que toi, connasse. Des compagnons avant que vous n'arriviez. Ça ne devrait pas poser de problème. Je vais même pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Ah ben voilà, quelqu'un qui a l'air d'être un peu plus sympa. Oh, bonjour. J'ai tué un ours hier. Et vous? Vous avez tué quelque chose? Oui, j'ai juste tué un géant que j'avais rencontré sur la route, mais sinon, à part ça... Hein. Au revoir. Ouais, à plus. Bon, donc... en résumé. Donc, Ria, toi, je t'aime bien. Torvar, je t'aime bien. Par contre, toi, Atis et... Njada, bon, je sais pas, truc... tous les deux, dès que je pourrai, vous mourrez dans d'atroces souffrances, hein, parce que je vous aime pas. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on se casse. Voilà, c'était la petite menace de mort, tranquille. Bon, je devrais pas, quand même. Encore là. Bon, allez. On va faire notre premier boulot en tant que membre des compagnons. La 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 la. Bon, j'imagine qu'au moment où cette vidéo sortira, bon, j'aurai déjà, mais dans l'an d'ici peu, je devrais recevoir enfin ma version PS4 de Watch Dogs. Il me tarde de l'avoir histoire de mettre un peu la patte sur ce jeu, car j'en ai entendu que du bien, sincèrement. Alors, c'est par ici, je crois. C'est où exactement? Ouah, mais c'est super loin en fait. Attends, c'est... Ah ouais, c'est vraiment là. Ok. Bon bah. D'accord. Alors là, ça lague comme un chien, mais à force, on a l'habitude. Je m'en fous! Ça lague! Je dois courir! Alors, faudra que je change ce sac aussi quand je pourrai. On va pas faire ça tout de suite, on attendra. Hein. Hop! Voilà! Encore un temps de chargement. Encore un temps de chargement.